Wow, bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Soubonne. Ce qu'on voit le corps, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime, vraiment. C'est une histoire triste dont je suis honteux de vous parler depuis quelques jours ici sur la chaîne Nyon Soubonne. Vraiment, c'est grave. Pour ceux qui ne sont pas informés, je vous explique. Regardez là. Ce monsieur que vous voyez ici, il est mort. Regardez là-bas. La fille que vous voyez juste là en gris là, elle est soupçonnée d'avoir tué le gars. Et elle a reconnu cela. Et l'autre femme que vous voyez juste là-bas, avec des cheveux, voilà, la télé là. Elle, apparemment, c'est la femme du monsieur. Donc le monsieur, il est marié. En même temps, il entretient une autre fille dehors. Et la fille qu'il entretient dehors là, c'est même elle qui lui a donné 5 coups de couteau dans le cou. Et il est mort. Vraiment, la fille aussi est jolie, on ne peut pas lui en vouloir. Bon, je dis, il ne faut pas se fier aux apparences. La beauté aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus grands problèmes des gens. Maintenant, le monsieur est mort. On a retrouvé l'une des pièces de cette fille-là dans la chambre où il y a eu le crime. Voici comment les gens ont pu la repérer sans la chercher chez elle. Apparemment, sur les informations que j'ai reçues. Quand ils sont allés la chercher chez elle, là, les interviews ont commencé. Les gens lui posaient des questions. En même temps, c'était filmé. Et les gens voulaient savoir vraiment pourquoi est-ce qu'elle a tué le monsieur. Et elle a dit clairement qu'elle a tué le monsieur parce que le tué monsieur tentait de coucher avec elle et elle ne voulait pas. Les deux avaient bu et pris de la drogue ce jour-là. Avaient bu et fumé beaucoup de choses ce jour-là. Ça veut dire que les deux n'étaient pas dans l'état normal, quoi. Dans l'état normal. Les deux n'étaient pas dans l'état normal. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est que quand elle a fini de tuer le monsieur, elle s'est changée, elle a changé de vêtements. Et puis, elle a commencé à faire des retraits d'argent sur le compte du monsieur jusqu'à atteindre 5 millions. 5 millions de naira. Parce que tout se passe au Nigeria, là. Vous voyez, non? Et c'est devenu bizarre. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Et pour certaines personnes, ce meurtre a été prémédité. Et les gens pensent que cette fille nous cache beaucoup de choses et qu'elle est en complicité avec tas d'autres personnes. Pendant que nous sommes en train de parler ici, on cherche à savoir quel est le problème avec ça. Voici, j'ai donc vu la vidéo d'une femme qui parle un peu des sugar daddy. Des filles qui prennent des petites, en fait, des hommes qui prennent des petites filles comme leur maîtresse. Elle vient prendre la défense de la fille. Est-ce de la blague? Est-ce que c'est de la blague? Ah! Et c'est la femme qui se trouve là-bas, juste au fond là-bas avec les lunettes là. Waouh! Vraiment, c'est étrange. Mais nous allons écouter ce qu'elle a dit quand même. Elle parle en anglais, essaye de faire attention. Vous pouvez également nous aider. C'est parti. We have to know what our children are up to. Even our husbands, some of them misbehave with due respect. They go out there, they abuse little girls, do all manner of things to them, both sexually and verbally. There is this one trending, an old man, a 50-year-old man. What he did to a 21-year-old girl. And the 21-year-old girl revolted. He was dragging her to have her any way, anyhow he wanted. But it backfired because the girl found the one and stabbed him to death. If that's the case, I don't know. But it's all related to abuse, violence. Elle pense que vraiment c'est un abus des gens mariés envers les petites filles là dehors.
Elle dit que ce que certaines personnes ne peuvent pas faire chez les femmes à la maison, c'est ça qu'ils vont faire chez les petites filles là dehors. Et elle pense que c'est un abus. So you never know. You might be trying to abuse somebody and end up dying yourself. So why don't we just say no to actions like this? Okay. Donc elle parle de vraiment de ces choses d'abus, comment les gens qui sont mariés laissent leurs femmes chez eux hein, et ils vont dehors pour faire des trucs bizarres. Au fil là dehors, vraiment, elle trouve cela inacceptable. Et elle pense que si la fille s'est conduite ainsi, c'est que c'était pour se défendre. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ça, c'est un cas de meurtre. Hein? Vraiment, je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses pourraient se passer. Surtout sur le continent africain. Ça m'étonne un peu. Ça, quand je pense à ça, ça m'étonne beaucoup. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça, c'est pas faux ce qu'elle a dit. Il y a des gens qui ont leur femme à la maison. Ils aiment bien leur femme. Hein. Ils touchent bien leur femme. Hein. Mais nous, nos petits, petits coups qui sont dehors, hein. C'est surtout comme ils ont de l'argent. Ils font chercher nos petits goumères. Elles aussi, comme elles sont bêtes. Elles voient de l'argent. Et elles se livrent. Elles se donnent. Et c'est là les choses bizarres se passent. Et ce qu'il ne demande pas à sa femme de faire à lui au lit, est-ce qu'il demande à la fille à le faire? Comme quoi? Comme laper son anus. J'ai vu ça de mes propres yeux. C'est pas qu'on m'a dit. C'est pas qu'on m'a dit ou c'est pas qu'on m'a dit. C'est pas qu'on m'a dit. C'est pas qu'on m'a dit. Je suis vraiment sur le choc. Je suis vraiment sur le choc. Même quand je vous parle de ça. Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Vous ne savez pas quel genre de vie certaines personnes mènent sur la terre ici. Là où nous sommes. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais comme c'est un truc de crime, là, c'est un crime. On ne peut pas encourager quelqu'un de le mal. Ou encore de le faux. Donc, nous tous, nous sommes en train de parler pour dire que non, la fille, c'est pas bien. Tu as tué un homme qui a 21 ans seulement. Vraiment, c'est grave. On parle ainsi pour que ça serve de leçon à d'autres filles, Et pour les petites filles du quartier, là, qui ne restent pas tranquilles. Donc, comme aujourd'hui, je sortais, j'ai vu une fille, là. La fille, elle est habillée de façon très, 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 très sexy. J'ai dit, moi, quand je l'ai vue, là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il faut que je me tourne pour regarder. Je me retourne, je vais la regarder. Elle sent que je vais la regarder. Elle se retourne, je dis, ah, donc, en plus d'être sexy, tu as une sorcière aussi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Les filles là dehors aussi qui sont très dangereuses. Très dangereuses. Qui ont l'air d'une des filles simples et propres, parfaites dans la tête, mais hein, elles ne sont pas normales. Elles ne sont pas normales dans la tête. Hey! Ouais. Le truc le plus étrange, c'est que la fille, elle a fini de tuer le monsieur. Le monsieur est mort. Au moins, tu peux informer la police. J'ai dit à la police, vraiment, voici ce qui est arrivé. Voici ce qui s'est passé. Il tentait de faire quelque chose. Mais voilà. Mais toi,
sans remords, hein. Tu pars. Après, tu te déshabilles, tu changes ton vêtement, tu prends un bon vêtement. Tu sors, tu t'en vas. Et tu commences à retirer de l'argent sur son compte. Jusqu'on nous dit 5 millions de francs, 5 millions de naira. Ah! Qu'est-ce que tu veux que nous on pense ça? Ou bien à sa place, que feriez-vous, mes frères et sœurs? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste cette vie-là, là où nous sommes. Mais c'est pas fini, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et soyez prêts.